laissé faire des choses dangereuses. C'est pas de ma faute, hein. Moi, j'y suis pour rien. Monsieur Carnero a écrit au juge pour enfants. Il veut que son fils retourne vivre avec lui. Ça, je m'attendais pas à ça. Bon, Simon est arrivé chez vous quand il avait 1 an et demi, donc c'est normal que vous soyez ému. Ce que je comprends pas, c'est qu'il nous ait même pas consulté, quoi. On compte pas, nous, quoi. Tu seras où, toi, pendant que je serai chez papa? Je serai à la maison, je t'attendrai. Je voulais lui dire, ça m'a fait super plaisir de recevoir une carte de Simon pendant les vacances. Ouais. Eddie me dit que ça l'aiderait que Simon arrête de vous appeler maman. Mais je vais t'appeler comment? Je veux t'appeler maman. De toute façon, je vais le faire dans ma tête. On peut pas tout lui enlever comme ça du jour au lendemain, enfin. On peut pas demander à son père juste qu'il nous le laisse juste une après-midi. Mais vous plaisantez, là. Non, mais enfin, mais tu restes avec moi, c'est comme ça. Oui, Anna, j'ai appris que Simon n'était pas avec son père. Je ne comprends pas du tout pourquoi. Tu savais quand même que t'étais en train de faire une grosse connerie. Lui, il dit que tu l'as manipulé. Madame Morand, notre objectif, c'est le retour de Simon auprès de son père. Si ça n'est pas le vôtre, alors nous avons un sérieux problème. Est-ce que vous avez envie que Simon quitte un jour votre foyer, Madame Morand ?